mandat, c'est de développer des interventions pour les milieux communautaires ou pour le réseau de la santé pour favoriser le vieillissement actif des aînés. Donc, on fait des guides d'animation, de programmes, on donne des formations, du soutien conseil. Ça arrive très souvent que l'origine de nos projets, c'est vraiment des demandes des milieux. C'est-à-dire des organismes communautaires, par exemple, qui vont venir nous voir, qui vont dire, écoute, nous, chez notre clientèle, on s'aperçoit que beaucoup d'aînés qui sont préoccupés, par exemple, par les changements de la mémoire liés au vieillissement. Avez-vous quelque chose qui pourrait nous aider à leur redonner confiance, à leur donner des trucs pour rester alerte sur le plan cognitif? Parfois, c'est le milieu aussi de tout simplement le réseau de la santé, des intervenants qui font des interventions puis qui se posent la question, est-ce que ça, c'est des meilleures pratiques? Est-ce qu'il existe des pratiques qui sont plus probantes, c'est-à-dire qui sont plus efficaces ou qui ont été démontrées plus efficaces par la recherche? Alors, ils vont nous soulever des questions. Par exemple, notre programme sur l'autogestion de l'arthrite, c'est vraiment des infirmières qui se sont posées la question, qu'est-ce qu'on peut faire avec des aînés qui sont en perte d'autonomie liés à l'arthrite? Donc, des gens qui sont vraiment frêles à domicile, puis qui ne peuvent pas aller participer à d'autres programmes dans la communauté parce qu'ils sont plus en perte d'autonomie. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec eux pour qu'ils reprennent confiance, puis pour mieux gérer leurs symptômes de l'arthrite? Des fois, c'est des chercheurs aussi, dans leur intérêt de recherche, qui vont regarder, qui vont se poser des questions, puis finalement, ça va mener au développement d'interventions puis de programmes qu'on peut implanter par la suite. Moi, comme chercheur, à travers les programmes que nous avons développés, on essaie de développer des outils qui vont permettre aux aînés de demeurer plus autonomes, plus longtemps, comme le programme « Mon arthrite, je m'en charge ». C'est un programme qui est fait pour des aînés frêles, mais où on outille les gens pour qu'ils se prennent le plus en charge possible. Puis on entend par vieillissement actif un vieillissement où la personne va pouvoir demeurer impliquée et active dans toutes les sphères de sa vie. Donc, on veut que la personne puisse continuer à participer, à s'impliquer socialement dans sa communauté, qu'elle continue à participer à toutes sortes d'activités, qu'elle demeure alerte au niveau cognitif, et qu'elle puisse continuer à vaquer à ses occupations. Maintenant, il y a tout un genre de courant qui vise à faire l'autogestion. On se dit que les personnes, dans le fond, ils voient un professionnel de la santé environ 12 heures par année, quand ils ont de la chance. Alors, le restant du temps, c'est eux-mêmes qui gèrent leur maladie chronique. Alors, tout le courant d'autogestion, ça vise à habiliter les personnes à prendre des décisions par rapport à leur santé, à choisir des options aussi. Est-ce que l'exercice, c'est bon pour moi? Je fais de l'arthrite de manière chronique. Est-ce que je devrais ou non prendre des médicaments? Qu'est-ce que je fais en termes d'alimentation? Alors, tous ces comportements-là, maintenant, il y a des études qui montrent que oui, c'est vrai que l'alimentation va jouer. L'activité physique va jouer dans le contrôle des maladies chroniques. Alors, il y a maintenant tout un courant qui vise à développer des programmes pour sensibiliser, habiliter les gens à gérer eux-mêmes leurs maladies chroniques. On constate un peu les stéréotypes puis l'âgisme comme une des barrières. Par exemple, si on prend au niveau de la vitalité intellectuelle, okay, le maintien de la mémoire en vieillissant, si un peu dans l'adage populaire, vieillir, ça veut dire perdre la mémoire. Comment une personne âgée peut reprendre confiance dans ses capacités? Comment ça peut la motiver à dire, je vais me garder alerte, je vais rester impliquée, je vais faire des activités intellectuelles, si tout alentour, les pensées agissent, dans le fond, vont dans le sens contraire? Il faut combattre ça pour dire, bien, on a le droit à plusieurs types de vieillissement. Il y a des gens qui vont rester très engagés socialement. Il y a des gens qui ont une approche un peu plus contemplative. Et tous ces types de vieillissement-là sont possibles. Par contre, il faut des opportunités. Il faut qu'il y ait des services à faire. Il faut que les milieux communautaires soient dynamiques et offrent des possibilités. Il y a des gens aussi qui sont plus difficiles à rejoindre, des clientèles qui sont plus vulnérables. Ça aussi, c'est un grand défi. Aller rejoindre des gens qui sont plus intimidés par les approches de groupe. Je pense que le tronc commun de tout ce qu'on fait, nous, dans notre équipe, c'est qu'on veut faire la promotion du vieillissement actif, mais pas sur le plan nécessairement seulement sur le plan de l'activité physique, ça inclut ça, mais ce qu'on veut, dans le fond, rendre compte, c'est la capacité des personnes âgées de rester engagées, dans le fond, dans les décisions qui les concernent, dans leur famille,
dans leur quartier, dans leur communauté, donc de leur donner le libre choix de faire des décisions. On veut vraiment leur donner des opportunités pour s'impliquer, pour rester actifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on veut qu'ils prennent part aux décisions, donc ils vont contribuer au développement de nos programmes, mais aussi ils sont les participants qui sont visés à la fin. Donc, ils sont tout au long du processus. Récemment, on a travaillé sur un programme qui s'appelle Muscler vos méninges, qui est un programme qui vise à faire la promotion de la vitalité intellectuelle chez les personnes âgées. Donc, ça, c'est vraiment, c'est à la suite d'un constat où il y a beaucoup d'aînés qui se préoccupent de ça. Hein? Dès qu'on a une petite erreur, on cherche le nom de quelqu'un, on se dit, oh mon Dieu, tu sais, je commence à avoir l'Alzheimer. C'est une grande crainte dans la population générale. Donc, on a décidé, avec nos partenaires du milieu communautaire, de développer un programme qui se donnerait par des gens, des intervenants des milieux communautaires, des clubs de l'âge d'or, des tours d'habitation, donc pour vraiment donner des trucs concrets sur comment se prendre en main sur le plan du vieillissement intellectuel. Maintenant, les recherches montrent qu'il y a des trucs qu'on peut avoir, il y a des comportements, de l'alimentation, la pratique d'activité physique, des choses très concrètes qu'on peut faire pour essayer de mieux se garder alerte sur le plan intellectuel. On commence dès le départ avec des aînés qui vont suivre le programme. On implique des intervenants du CSS. On implique aussi des gens des organismes communautaires pour vraiment aller voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et on essaie de mettre ça en lien avec ce qu'on voit dans la littérature au niveau des évidences scientifiques, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est recommandé comme programme. Et puis, on essaie de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire qui va être complémentaire à ce qui existe déjà. En commençant dès le départ à travailler en équipe, bien, on essaie d'avoir un programme plus rigoureux, mais aussi plus collé aux besoins et réalités des intervenants des milieux. Il y a des gens dans notre équipe en socio-kinésiologie, travail social, ergothérapie, psychologie. Alors, tous ces gens-là sont ensemble pour travailler autour d'un projet commun. Moi, je trouve ça très, très enrichissant, très dynamique. Puis, dans le fond, le vieillissement amène des problématiques tellement multiples. On ne peut pas se fier, je pense, à une seule discipline pour adresser ou pour soulever cette problématique-là. Donc, l'approche interdisciplinaire, on n'a pas le choix. Hein? C'est un peu par nécessité, mais ça fait justement, je pense, que ce qu'on voit qui sort, qui émerge de ces équipes-là, on voit que c'est vraiment la bonne façon de faire.